Une fois de plus, Serge Ndoudi, et bienvenue pour cette session de vidéo qui se veut une réponse à notre ami Suleiman qui nous pose la question sur ce qui est de variation d'hauteur d'escalier qu'ils arrivent à matcher le niveau. Alors, je vous rappelle que vous pouvez suivre nos vidéos à travers notre chaîne YouTube Malunda Maserge ou Serge Ndoudi, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater dès qu'une vidéo est mise sur YouTube. Alors sans plus tarder, je m'en vais sur Revit. Donc, je vais aller dans les gabarits archi. Je m'en vais prendre un escalier. Lorsque je prends l'escalier, si vous regardez en interne parmi les paramètres, donc ici c'est automatiquement coché, donc utiliser calculateur d'escalier pour les calculs de l'inclinaison. Avec la règle des Blondin, et un minimum un pan moyen de 63 cm, c'est que lorsque nous faisons les calculs, il nous dit, Revit nous propose, il nous dit pour réaliser cet escalier, vous avez besoin de 16 contre-marches. Alors quand je m'en vais faire ceci, je vais valider et je vais venir faire passer justement une coupe là. Quand je vais aller à la coupe, je regarde, je me rends compte que notre escalier n'arrive pas jusqu'au niveau sélectionné, donc au niveau 1. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi Revit réagit de la sorte? Donc, en effet, Revit considère que la dernière marche, donc le plancher, notre escalier arrive contre les planchers et que les planchers ici constituent notre dernière marche. On peut bien l'observer, on verra que la 16e marche est là. Pourtant, quand on regarde en vue en plan, il nous a dit 16 marches, donc il considère la 16e comme étant là. Alors, si vous voulez qu'il ne puisse pas réagir de la sorte, c'est assez simple, c'est que je veux justement sélectionner mon escalier. Je vais demander de modifier. Dans les cas où je suis contre, je me dis ça doit être dirigé de l'autre côté, je peux juste venir cliquer sur la flèche. Mais dans les cas où je me dis j'aimerais résoudre ces problèmes, c'est que ce que je vais venir justement sélectionner là et je vais sélectionner un voyage. Je vais venir juste sur les petits bouts qui est là, je vais les déplacer horizontalement. Je verrai qu'il suffit de déplacer ça un tout petit peu là. J'ai mon escalier qui atteint les niveaux. Je vais juste faire comme ça. Et c'est bon, j'ai mon escalier qui quitte du niveau vers les niveaux. Alors, c'était une fois de plus Serge Ndoudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.